Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant en japonais. Et aujourd'hui, nous allons voir la particule « et ». Donc tout d'abord, vous pouvez voir qu'en fait, comme la particule « wa » qui introduit le sujet, la particule « et » s'écrit en fait « he » mais se prononce « e ». Tout comme la particule donc, qui indique le sujet, qui se prononce « wa » et qui s'écrit « ha ». Donc il se prononce « e » et il fonctionne avec les verbes de déplacement. Par exemple, « je rentre au pays »,« watashi wa », hop, furigana, kunie, kaerimas. Je rentre au pays. Ou je vais à Kyoto, hop, kyotoe ikimas. Donc vous allez me dire qu'en fait, quelle est la différence entre la particule e et la particule ni? Eh bien en fait, il n'y en a aucune. Seulement. Donc la particule e est similaire et échangeable avec ni. Pour les cas présents, par exemple, si vous dites Watashi wa kuni ni kaerimas, je rentre au pays, ou Kobe ni ikimas, Kyoto, ni ikimas, dans ce cas-là, c'est correct. Par contre, vous ne pouvez pas faire l'inverse, puisque ni désigne aussi le temps. Je vous ai marqué un contre-exemple ici. Watashi wa rokuji ni, rokuji e justement, du coup, pardon. Nemas. Donc en fait, vous ne pouvez pas marquer, vous pouvez pas remplacer le ni par un e, puisque le e s'utilise uniquement pour les verbes de déplacement. Alors dans ce cas-là, lorsque vous désignez l'heure, utilisez la particule ni. En fait, de façon globale, si vous êtes avec un verbe de déplacement, choisissez plutôt d'utiliser la particule e, ça sera plus naturel, mais utiliser la particule ni sera grammaticalement correct, mais ça sera moins naturel. Donc, n'oubliez surtout pas que la particule « e » fonctionne uniquement avec des verbes de déplacement, alors que pour tous les autres COI, il faut se référer à la particule « ni ». Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, et je vous dis à très bientôt.